Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter une nouveauté. Je l'ai trouvée aujourd'hui en librairie. Et il s'agit de, bon, vous l'avez vu en titre, Raya et le dernier dragon. Donc, film Disney de cette année 2021. Je ne sais pas dans quelles conditions il sort. Si c'est sur Disney+, ou plus tard, s'il y a toujours une sortie cinéma de prévu, je ne sais pas. Donc j'ai trouvé ça. Donc un album, deux pochettes d'images pour 3,95€. Donc déjà l'esthétique, ce noir, ce bleu, vert turquoise, c'est très 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 sympa. J'aime beaucoup. La pochette ici aussi, le visuel ici, c'est très joli. Le dos ici de l'album, voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la pochette, une fois que l'album sera retiré, il n'y aura plus de visuel. Parce que le visuel ici, c'est uniquement l'album en lui-même. Il n'y a que la partie du haut où on va représenter le nom de ce film d'animation. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est le prix de l'album. Donc, je vais prendre un des derniers albums que j'ai acheté. Celui-ci, donc qui est aussi de 2021. Premier trimestre 2021, c'est ce qui est marqué au dos. Le série 3 de Dragon Ball Super. Donc, jusqu'à présent, le plus cher qui était vendu, c'était ce prix-là, 2,50€ l'album. Et là, eh bien, ça a augmenté. Mais c'est pas étonnant, les albums ne font qu'augmenter. Les images aussi, le prix des images. Pour avoir toute la collection, je vais expliquer plus tard. Donc, ici, on est passé à 2,90€. Voilà, le prix augmenté de 40 centimes, ce qui est pas négligeable, mais pour l'album, je trouve que c'est toujours pas très cher. Ce qui coûte vraiment cher, c'est d'acheter dans le commerce, en neuf, les paquets d'images, ça c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc les derniers que j'avais achetés, ils étaient à 1€, 4 images plus une carte. Donc ça c'est les cartes, c'est un système pour contrebalancer le fait que les Panini ça se vend un peu moins. Les prix d'image, le prix du paquet d'images a augmenté, mais vous avez moins d'images, mais une carte, et c'est vendu 1€. Donc ici, suivant ce qui sort en Panini, vous avez ce système de cartes, mais vous ne l'avez pas à chaque fois, il faut bien regarder. Donc ici, vous voyez un album plus un range-carte. Donc le range-carte, ça serait une boîte en carton, qui est à fabriquer vous-même, et elle est à l'intérieur de l'album. Derrière la couverture en fait, vous avez aplati, vous avez à retirer, vous avez fabriqué votre boîte en carton, voilà, c'est tout, pour ranger les cartes qui seront dans les paquets d'images. Donc sans surprise, on aura, mais ça serait une bonne surprise d'avoir autre chose, 4 images dans chaque paquet et une carte. Si on a autre chose, tant mieux. Mais j'ai peur pour le prix du paquet d'images. Si c'est, ça peut être 1€, ça peut être plus, voilà, ça ne fait qu'augmenter. Donc 3,95€, donc vous avez l'album à 2,90€ et deux paquets d'images à minimum 1€, donc ça reste rentable, voilà. Mais encore une fois, essayez de compléter un album récent en achetant les paquets d'images, vous avez que 4 ou 5 images dedans, c'est vraiment l'enfer, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre ici? On voit les petits écussons ici, malheureusement, qui ne sont pas des autocollants, donc c'est incrusté, je le sens là. Ici, 60 ans de Panini. Donc j'avais un album Winnie, j'essaie de le retrouver, qui date de 2011. Ah ben, il est là, voilà, juste là à côté. Voilà, celui-ci était, c'était les 50 ans, donc en 2011 évidemment, et ici 2021, 60 ans. Donc, pour quel album ils choisissent de le mettre ou pas? Est-ce que c'est tous ceux qui vont sortir dans l'année? Je pense pas. Est-ce que c'est parce que c'est le premier qui sort d'une série propre? Peut-être parce que c'est Disney aussi, je ne sais pas. Voilà. 50 ans en 2011, 60 ans en 2021. On aurait préféré ne pas l'avoir parce que le visuel est quand même joli. Et puis ici, album sticker, ça aussi on aurait pu s'en passer. Hein. On aurait pu se passer d'avoir ici album sticker de marqué. Bon, c'est un peu dommage. Donc je vais l'ouvrir proprement. Comme, si ça se trouve, je vais essayer de l'exposer un petit peu, je sais pas, ça fait de la décoration en même temps, ce genre d'objet. Je vais l'ouvrir de façon à ce que je puisse remettre l'album dedans et les sachets vides, pourquoi pas. Donc pour ça, je vais l'ouvrir
par le dessus et derrière, proprement. Je ne vais pas arracher tout ça, parce qu'après je vais le perdre. Je vais juste couper ici cette fine membrane-là, sortir des albums pour que si je dois le raccrocher avec l'album dedans, je pourrais et du coup ça se verra pas. Du coup, je vais couper à peu près ici là. Voilà, comme ça. De ce côté-là, on verra pas qu'il est ouvert. Ça me permettra de le conserver en l'état. Alors c'est parti et je vais vous montrer l'intérieur de cet album. Par contre, je ne sais pas s'il vient de sortir là aujourd'hui, je pense pas. Ou s'il est sorti il y a une semaine, ou s'il y a 15 jours, moi je l'ai trouvé aujourd'hui, donc attends, je vais pas voir tous les jours ce qui est sorti de nouveau. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas été voir sur internet des visuels des images. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent, les cartes encore moins. Le film, j'ai vu une bande-annonce il y a quelques semaines, je ne m'en souviens pratiquement plus. Mais là, le visu... ah, l'étiquette avec le code barre jeune, j'aurais peut-être dû l'enlever. Bon, c'est pas grave, là je peux enlever l'album. Le film d'animation, j'ai vu une bonne annonce il y a quelques semaines. Et je ne sais pas s'il est sorti, je ne sais pas s'il est repoussé, retardé, s'il sort sur Disney Plus uniquement, je ne sais pas. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai pas voulu voir des visuels d'image non plus. Voilà, l'album est sorti. Ensuite, les paquets d'images. Alors, hop. Donc, il y en a deux. Hein. J'espère que c'est pas. Ah, c'est peut-être des paquets d'images promo. Parce que je sens que c'est un peu fin. Donc, si ça se trouve, c'est-à-dire promo, gratuit, enfin, offert, comme vous voulez. Du coup, ils ne seraient pas les mêmes qu'on peut acheter dans le commerce. Parce qu'il n'y aurait pas 4 images et une carte. Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être moins d'images. Enfin, je ne sais pas. On va regarder. Le prix, je vous le montre. Voilà. Sur le code barre, vous le voyez avant moi, et le prix est de 1 euro. Bon, 1 euro, ça va. Enfin, ça va. C'est cher quand vous voulez en acheter un de temps en temps, ça ira, mais compléter, avoir le plus vite possible les images pour compléter un album, c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, le plastique ici a été coupé proprement, il est ouvert que dans le dos et à hauteur. Du coup, ici, de ce côté-là, on voit pas du tout qu'il a été ouvert. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? On va ouvrir des images, peut-être. Donc ça, c'est pareil. On va l'ouvrir proprement. Donc, on va mettre ça de côté. Où est-ce qu'on va mettre ça? Je n'ai pas d'assistant. Assistant? Non. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Pour garder propre de ce côté-là le paquet, je vais l'ouvrir forcément dans le dos. En haut ou en bas, ça n'a pas grande importance. En général, je fais plutôt en bas ici. Donc, je vais ouvrir ici. Juste avoir les images, il faut faire ça avec un petit cutter évidemment. Le cutter dont je me sers pour les maquettes. On essaie d'ouvrir que la fine membrane et pas de couper, de transpercer de ce côté-là. Hein. Voilà. Là, c'est ouvert. Alors, tout le monde ne fait pas ça pour les paquets d'images. Hein. Moi, ça me sert pour mes petits décors, des paquets d'images refermés, tout ça. Donc c'est pour ça que je fais ça, que je procède comme ça. Il y a beaucoup de gens qui au fil du temps conservent des paquets d'images vides pour compléter, agrandir leur collection et gardent dans leur album un petit paquet d'images vides, le visuel c'est sympa. Il y en a même qui recherchent des pochettes vides d'albums anciens. Donc, là on a donc notre carte et des images. Donc on a, voilà c'est ce que je vous disais, 1, 2, 3, 4 images et une carte. Voilà, donc 4 images et une carte pour 1 euro, c'est beaucoup. Surtout que vous n'avez pas le choix finalement. Si vous préférez qu'avoir que des images, vous n'avez pas le choix, vous avez forcément une carte. Voilà, qui se collectionne aussi évidemment. Donc là, c'est la C4. De ce que je sais, les collections de cartes qui sont rajoutées avec des images, on verra dans l'album, mais il y en a à peu près 25-30. Donc là, évidemment, ça me spoil parce que ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Donc, alors, je voulais que le bord ici soit blanc, enfin non, soit vert, un vert un petit peu comme ce qu'on voit là dans la pochette. Finalement, il est un peu plus turquoise, un peu plus bleu. Mais je suis très très content. Parce qu'un visuel blanc, ça aurait été un peu dommage. C'est un petit peu stylisé aussi avec une espèce de membrane ici sur le côté. Je ne vous l'empoche pas trop parce que ça fera sûrement flou. Donc ça, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas.
Donc pas de brillante ici. Ça, c'est une image autocollant qui peut se détacher et se coller dans l'album. Voilà, c'est pas une image que vous allez tout décoller dessus. Donc ça, éventuellement, c'est peut-être pour le poster. Est-ce qu'il y a un poster? Ça, pour l'instant, j'ai pas pu le vérifier encore. Le deuxième paquet. Donc j'ai pas non plus été le voir sur le site Panini Mania, là où je fais les échanges, si l'album était répertorié. Parce que ça m'aurait spoilé à quoi ressembleraient les images, leur visuel. Voilà. J'ai fait un peu moins propre là, découpé derrière. C'est pas grave. Donc comme pour le dos de paquet d'images, vous avez bien sûr le titre dans des langues différentes. Voilà. Donc ça, l'image, hop, vous la voyez avant moi, je ne l'ai pas encore vue. Enfin l'image, la carte, je veux dire. D'accord. Je vous montre les deux ensemble. Voilà. Alors c'est la C3 ici, la C4 à droite. Vous avez aussi le titre du film en différentes langues. Alors, au niveau de la collection, bon, sur le dos des images, on s'en fout, le dos d'image, vous allez le jeter. Pour les cartes, est-ce que cette carte-là, la C4, elle sera toujours dans la même langue ou est-ce qu'il y aura des variantes avec des langues différentes pour ce visuel-là? Ça, je ne sais pas. Il faudrait qu'un jour je tombe sur deux fois la même image et encore. Ce sera pas sûr que je puisse faire la comparaison. Donc on a ici de nouveau quatre images. Ah ici, quelque chose de brillant. Une image double. Bah, c'est bien comme ça. Rien qu'avec deux paquets, je peux voir à quoi ça ressemble un petit peu. Voilà. Ça, les visuels sont l'air d'être comme des peintures. Je sais pas trop quoi. Quoi en pensez? Est-ce que c'est visuellement ça ressemble à ça aussi le film? Je pense pas. Ah, une autre brillante ici. C'est plutôt une image dorée hein, que brillante. Voilà, l'effet brillant est très léger, hein, à part sur le bord doré. Et il y a encore une brillante ici. Bah, c'est un paquet de brillantes. Voilà. Sympa. Trois brillantes dans le même paquet d'images. Mais écoutez, c'est peut-être dire que dans cet album, les brillantes ne sont pas extrêmement rare. Alors ce que j'ai vu sur la pochette, un album range cartes et pochette, non c'est pas ça. J'ai vu indiquer quelque part carte phosphorescente. Qu'est-ce que j'ai vu déjà? Album range cartes et pochette, on est d'accord. Et j'avais vu repérer autre chose à regarder. Image autocollante et carte, ça on est d'accord. Ah chromo, c'est ça que j'avais repéré. Chromo autocollant, je crois que du coup c'était un type d'image brillante précis, une image spéciale, mais non, chromo c'est juste pour indiquer que c'est des images en espagnol, quelque chose comme ça. Bon, d'accord. Bon, je vais pouvoir vous montrer l'album qui est là. Je vous montre l'intérieur tout de suite. Et voilà. Donc, ça c'est bien quelque chose qui est sur l'album, hein. On ne veut pas l'enlever, c'est pas. C'est pas un autocollant du même que cette partie-là. Raya est le dernier dragon. Alors ici, hop, comme je vous disais, ici vous avez la partie que vous devez arracher, proprement bien sûr, pour vous confectionner votre boîte de rangement pour vos cartes. Donc c'est marqué ici qu'il y en a 50. 50 c'est beaucoup. Hein. Ici vous voyez, on voit le visuel des cartes. Donc au fur et à mesure que vous possédez les cartes, vous pouvez cocher, bon, ça fera pas la mise au point, tant pis. Hop, on va pas le montrer une par une non plus de toute façon. Donc suivant, il y a des thèmes apparemment, silhouette, légende, je sais pas quoi, des images type comics. Ici en haut sur les guerriers, d'accord. Je sais pas de quoi ça parle cette œuvre, mais ça a l'air sympathique. Donc, l'arrangement de la boîte, pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Je vais pas faire moi de la boîte exprès. Ici. Autrefois, au royaume de
Kumandra, humain et dragon vivant en harmonie, blablabla, blablabla. Première image, ici, hop, on continue. Les pages sont assez fines comme tout ce qui est album récent. Une nouvelle gardienne pour la pierre de dragon, d'accord. On va essayer de pas trop se spoiler. Ah, ici, on va, il y aura une double brillante apparemment. Ah, il y a quelque chose au milieu. Ah, c'est peut-être un poster. C'est pas indiqué. J'ai pas lu quelque part qu'il y a un poster inclus. Mais bon, il y a de grandes chances qu'il y ait des posters d'Alan Panini. Là, j'ai sauté 2-3 pages. Juste, de toute façon, c'est juste pour se donner une idée. Voilà. Au bout de la rivière. Ici, Raya et l'empereur. Non, Raya et le dernier dragon. Ah oui. Ah, c'est sympa. Est-ce que j'en retire le poster? Surtout qu'au dos, il y a encore quelque chose. Est-ce que je retire le poster pour vous le montrer? Ça, pour l'instant, j'avais pas prévu de le faire. Vous me mettrez en commentaire. Est-ce que vous voulez voir le poster retiré? Elle est pas mal jolie, il n'y a pas grand chose en fond par contre. Il y a des petites formes, des petits dessins, on ne les voit pas trop ici. Ça, c'est déjà plus sympa ça. D'accord. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a détache la boîte. Ah, c'est pour expliquer comment est-ce qu'on fabrique sa boîte pour ranger ses cartes. D'accord. Le long des traits, etc. Ok. Et le dos ici. Donc 2,90€. Encore une fois, le prix de l'album, ça sera jamais exorbitant. Quand on était petit, l'album c'était. J'en prends à la au hasard, hop. Et Dioscar. Bon, c'est un exemplaire gratuit, c'est un mauvais exemple. Mais hop, Cosmo Cats. Voilà. 4 francs, donc ça 4 francs c'est les années 80. Ensuite les années 90 c'est passé à 6 francs par exemple. C'était pas très cher. Les albums, les images surtout étaient beaucoup moins chères. Là, le prix d'album, ça sera jamais vraiment un problème, mais le prix du paquet d'images, 1 euro pour 4 images, c'est énorme. Je vais en acheter quelques-uns quand même. Et puis j'attendrai de pouvoir récupérer un gros lot. Ou un pack loisir, peu importe. Donc, par contre, je ne sais pas s'il est récent. Enfin, il est récent. Est-ce qu'il vient de sortir ou est-ce qu'il a déjà quelques semaines, cet album? Je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cet album. Je vais aller coller les images. Je vais aller me renseigner. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.